Maïla, bonjour. Ben Sanogo, bonjour. Bonjour à tous, connectez-vous, partagez la vidéo. Madame, il y a une pleine solution. Partagez la vidéo. Moussa, bonjour. Jean-Claude Gobi. Connectez-vous, partagez la vidéo. Partagez, partagez, partagez. Oui. Oh, mais il y a des pages même auxquelles je suis abonné même. Je me demande comment ça se fait même. Partagez, partagez. Chaque jeudi, ah, c'est incroyable, nous on est des terres. On est mystères. Et ventre pourtant, on bonjour, bonjour à tous, Souleymania. Qui veut devenir riche ici là? Toi, ta solution pour devenir riche et puis tu cherches client. Emma Judith, bonjour. Phoenix de Soro, c'est jusqu'à la gare. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Bon, on va commencer et les autres vont nous prendre en chemin. Vraiment, la semaine, le week-end a été chaud. Ouais, le week-end était chaud. Mariette Outraoué, vous savez, hein, partout où elle passe là, c'est bulldozer. Elle s'est pire que bulldozer même. Elle dit, elle a... yeah! Louba même n'a rien fait. J'ai dit, Louba même n'a rien fait. Ghislain, sois salué. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Montez, 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 puis on va parler. J'ai dit, oh, Mariam Touré, Louba même n'a rien fait. Yeah! Non, cette femme-là, c'est un cas. Le RHDP, le RHDP, vous êtes vraiment, faut vous reconnaître cela. Le RHDP, hein, vous êtes des, comment on dit, vous êtes des malins, voilà, vous êtes malins, hein, vous êtes malins. On peut pas, vous êtes rusés aussi. Ah, ça là seulement, on peut pas vous enlever ça. Hein. Hein, vous êtes rusés, vous êtes malins, c'est vrai. Vous êtes forts. Aïe, 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 bon, je vais commencer. Soyez tous salués, partagez la vidéo. Serge Emmanuel, bonjour. Je vais commencer. J'entends par-ci, par-là. Amadou Sanogo, oui, comment tu vas? Sois salué depuis ton bord, ta position. Voilà. J'ai dit, oh, en Côte d'Ivoire, là. Est-ce que Alex Zaté est la seule cyberactiviste qui a été arrêtée? Mais pourquoi pour Alex Zaté, là, ça fait du bruit comme ça? Hein? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, là, Alex Zaté était la seule cyberactiviste qui est en prison? Metango Traoré en prison, le drone en prison. Il y a un autre aussi, là, je ne maîtrise pas trop son nom. Voilà, le mec qui a fait la vidéo sur les policiers corrompus à Korogo qui allaient en prison, là. Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'innocents qui sont en prison. Et effectivement, la place d'un cyberactiviste, ce n'est pas en prison. Voilà. Parce que c'est une forme de journalisme aussi. Donc, la liberté d'expression doit régner. Mais à quel prix? Voilà, à quel prix? À quel prix, Madame Mariam Touré? D'abord, je veux ici dire merci à Madame Mariam Touré de reconnaître que la liberté d'expression doit pouvoir régner en Côte d'Ivoire. C'est bien. En pensant faire du tort à Simone Hervé Gbagbo ou au FPI, tu vois, Madame la députée, tu as dénoncé pas mal de choses dans ta vidéo et moi j'ai apprécié. Je ne vais pas venir te condamner, hein. Ah non, pas du tout. Loin de moi.
Loin de moi, hein? Loin de moi tout ça. Mais c'est bien. C'est bien parce que si certains éléments au RHDP commencent à se réveiller, tant mieux. C'est que nous sommes sur la bonne voie. Mais maman, tu sais ce que j'ai retenu de ta vidéo? J'ai tiré beaucoup d'enseignements de ta vidéo. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo. Montez, partagez la vidéo. Solennellement, devant tous les Ivoiriens, quelque part, tu vois, tu as pris l'engagement de ne plus aller ridiculiser la Côte d'Ivoire dans les autres pays. Voilà. Devant toute la nation entière, tu as pris l'engagement de ne plus ridiculiser, hein, de te mettre enfin dans ta posture de député et de ne plus ridiculiser et rabaisser la Côte d'Ivoire. Alors là, ça me fait plaisir. Parce que maman, tu sais, le jour où je t'ai vu en Afrique du Sud, aller humilier, aller te comporter là-bas comme la dernière de classe, ça m'a fait honte. Ça m'a fait honte pour mon pays parce que tu allais représenter la Côte d'Ivoire. Et comme à ton habitude, tu allais laisser une mauvaise image de toi. Si l'histoire d'Alette Zappé peut te permettre de changer, oh Seigneur Jésus-Christ, je suis contente. Je suis contente, Dieu a écouté mes prières. Tu vas arrêter de ridiculiser la Côte d'Ivoire à la face du monde. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Mais, venir condamner à les athées de ta part m'aurait étonné, maman. Ça m'aurait étonné. Parce que vraiment, pour ne pas vous manquer de respect, vous êtes très mal placé pour donner des leçons de morale à la jeunesse. Parce que c'est vous, sur la toile ici, en Côte d'Ivoire, qui avez enseigné les injures à la nouvelle génération. Si vous avez bien remarqué, après votre intervention, hein, après votre direct, d'accord, qui a fait le buzz sur la toile et en Afrique, de toute cette histoire est née une vague de blogueurs insulteurs. Après votre direct là, est née une vague de blogueurs insulteurs. Parce que les gens se sont dit quoi? Parce que la jeunesse s'est dit quoi? Qu'est-ce que dit la jeunesse? La jeunesse dit, mais si notre honorable, si notre député, si une femme aussi mûre, âgée, vient s'asseoir à la télé, devant sa caméra, pour insulter l'intimité d'une femme, sa collègue députée, rentrer jusqu'en là où il ne faut pas rentrer, c'est que tout est permis, c'est qu'on peut le faire. C'est ça, maman. C'est que tout le monde peut le faire. Black, black, les jeunes, mon président, on est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Si vous, en tant qu'honorable, vous insultez, mais ça ne m'étonne pas que vous demandiez la libération d'Alette Zappé. C'est normal. C'est normal. Parce que ce que Alette Zappé fait là, vous êtes plus gradé qu'Alette Zappé. Vous êtes la mère d'Alette Zappé. Vous êtes la mère d'Alette. C'est vous qui avez appris ça à Alette Zappé. Donc si aujourd'hui vous demandez sa libération, ça ne me surprend pas. C'est normal. C'est normal. Et puis pire, vous auriez pu demander la libération d'Alette Zappé sans pour autant lui apporter votre soutien. L'erreur grave que vous avez commise dans cette communication, vous avez dit à la face du monde, je la soutiens. Vous soutenez les injures, mais ça ne surprend pas les Ivoiriens, maman. Ça ne surprend pas. Voilà. La patronne des injures en Côte d'Ivoire, c'est vous. C'est vous. La femme qui se bagarre aux yeux du monde entier dans un hémicycle, c'est vous. C'est vous. Donc, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Vous êtes la femme louba de la Côte d'Ivoire. Ça ne me surprend pas, maman. Mais c'est bien. C'est bien parce que vous-même là, à partir de maintenant, vous allez changer votre manière de communiquer et de vous comporter.
vous allez changer. Ça va vous donner une enseignante. Vous-même là, je pense que vous avez été enseigné avec cette histoire d'Alette Zaté. Parce que si vous vous levez pour dénoncer le fait que Alette Zaté soit arrêtée, c'est que quelque part vous vous sentez fautif dans cette histoire. Quelque part vous vous dites, ah mais vraiment, moi aussi on aurait pu me mettre en prison. Parce que c'est-à-dire que vous vous sentez dans la peau d'Alette Zaté. Vous vous sentez dans sa peau parce que, à un certain moment donné, vous avez eu le même comportement qu'Alette Zaté. C'est vrai. Donc si pour vous, on a arrêté Alette Zaté, c'est que la justice pouvait vous arrêter aussi. C'est vrai, maman. C'est vrai. Et je comprends votre combat. Parce que quelque part, vous vous dites qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Comment vous qui vous êtes permise d'insulter une de vos collègues députées, rentrer jusqu'en dans des injures où il ne faut pas rentrer, vous vous êtes dehors et puis aller zater en prison. Donc c'est injuste. C'est vrai, maman, tu as raison. Et quand tu dis que si on la libère pas, tu iras à la Maca, non, tu n'as pas besoin d'aller à la Maca pour demander la libération d'Alette Zaté. Tu dois aller, vous devez aller vous-même vous rendre à la Maca. Mm-hmm. C'est vrai, hein? Vous devez aller vous-même vous rendre à la Maca. Dites à la justice ivoirienne. La justice ivoirienne n'est pas juste. Cette justice a géométrie variable. Parce que si Alette Zaté est en prison pour injure, vous aussi, vous deviez être en prison. C'est vrai, vous avez raison. Mais vous ne partez pas. Vous ne partez pas, comment on appelle ça, en prison pour soutenir Alette Zaté. Vous partez en prison pour vous rendre vous-même. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Marina Danoldine. Dini, c'est ça, non? Dine, pardon. Sois saluée, ma combattante, depuis ton bord, ta position. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Sinon, ce que vous avez demandé là, en tout cas, Madame Mariam Touré, ça ne m'étonne pas. Hein. Moi, je ne vais pas venir ici, ouh, mon éducation, mes parents m'ont trop bien éduqué. Moi, je vais venir m'asseoir ici et insulter les gens. Pourquoi? Ah non! La politique là, c'est des débats d'idées. Voilà, c'est pas les injures, c'est les faibles qui insultent. C'est quand tu es faible que tu insultes. Parce que tu attires la foule avec tes injures, mais tu n'attires pas la foule avec des débats contradictoires. Voilà. Donc, moi, maman, moi-même, je ne suis pas d'accord. Voilà, on ne peut pas insulter quelqu'un. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais la partie qui va me plaire dans toute cette histoire-là, c'est où vous dénoncez la justice ivoirienne. Ah ouais, fierté, et puis bravo. En tout cas, c'est où vous dénoncez la justice ivoirienne là. Cette histoire-là même là, ça me plaît comme ça. De voir une femme députée de Sucroi, RHDP, dénoncer la justice ivoirienne. Dit la justice ivoirienne, d'accord, est aux ordres. C'est vrai. Mais maman, quand Simone Yves Gbagbo a posé sa plainte là, Simone Yves Gbagbo a déposé une plainte. Bon, d'autres disent que c'est ses enfants. D'autres disent que c'est elle. Il y a une plainte qui a été déposée. D'après vous, il y a une justice en Côte d'Ivoire. Mais la justice doit suivre les règles. Et si la justice ne suit pas les règles, maman Diamant Blanc, qu'est-ce que Simone Yves Gbagbo a à voir dedans? Elle a déposé plainte contre une personne. Au même titre que Ambak avait déposé plainte contre la guêpe. Voilà. Au même titre que Ambak a déposé plainte contre la guêpe, c'est à ce même titre-là que Simone Yves Gbagbo a déposé une plainte contre Alette Zaté. Mais maman, après, quand tu finis de déposer plainte là, est-ce que c'est Simone Yves Gbagbo qui allait attraper Alette Zaté pour aller la jeter en prison? Non. C'est votre justice là-haut. C'est votre justice là. C'est ça qu'on dénonce depuis là. Et puis vous n'entendez pas là. Moi, c'est ce qui me plaît dans votre histoire là-haut. C'est ça qu'on a dénoncé depuis là. Et puis au RHDP, vous refusez de comprendre. Mettez en goût Traoré.
n'a pas reçu de plainte à la maison. Voilà. Metangu Traoré n'a pas reçu de plainte. Ils sont allés chercher Metangu Traoré chez lui à la maison. Parce qu'il y a un député qui a fait allô, allô. Ils sont allés chercher Metangu Traoré chez lui à la maison. Ils l'ont frappé copieusement. Et puis le lendemain, ils sont allés le déposer à la Maca. Tu vois, maman, ça c'est la justice ivoirienne. Hein? Voilà. Donc tu as raison. C'est quoi cette justice-là? Il y a une personne qui veut voyager. Au lieu de prendre son, comment on appelle ça, son passeport, la laisser rentrer chez elle. Et puis lui dire qu'elle est convoquée à telle date pour répondre de telle chose, on la prend et puis on s'en la jeter directement en prison. En tout cas, maman, tu as raison. Il n'y a pas justice en Côte d'Ivoire. Hein? Il n'y a pas justice. Si ce blanc-là, tu as raison. Mais on va t'écouter ici. Toi-même là, tu vas dénoncer la justice ivoirienne. Voilà. Sinon, c'est ce qu'on crie. Hein. Depuis le GPS dit, il n'y a pas justice en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas justice. Des innocents sont en prison. Des innocents sont en prison là. Mais maman, c'est pas aujourd'hui là, tu vas savoir qu'on jette les innocents en prison. C'est pas aujourd'hui, tu sais, dans Côte d'Ivoire là, que quand on n'aime pas ta tête ou quand tu ne plais pas à quelqu'un, on te prend et puis on met en prison. Ah maman, c'est nouveau quoi. Tu découvres. Tu découvres. Faut pas découvrir, hein, maman. Faut pas découvrir. Le président Soro devait rentrer le 19 septembre 2019. Ils sont allés tech, ses frères. Ils sont allés prendre ses collaborateurs. Sans convocation ni rien. On les a pris et puis on les a jetés en prison. Et puis ils sont restés en prison jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, non, maman? Madame la députée, depuis vous êtes dans Côte d'Ivoire là. Vous ne savez pas que la justice est aux ordres. Ah, faut pas que tu aies fait ça. Donc vous n'êtes pas député en Côte d'Ivoire, quoi. Ah, toi aussi. Hein? Comment on peut prendre une femme comme ça à la repos et puis on la prend, on va la jeter directement en prison parce qu'on dit qu'elle est insultée. Mais c'est comme ça que fonctionne la justice de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que fonctionne la justice de la Côte d'Ivoire. Mais maman, aujourd'hui le président Soro Guillaume a été condamné à perpétuité avec des allégations. Mais ils ont dit que, on a vu que, il paraît-il que, voilà comment il a été condamné à perpétuité. Mais c'est la même justice que tu dénonces là. C'est de cette même justice là que nous parlons ici sur la toile. Nous disons que la justice est corrompue en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas une justice libre et indépendante. Et c'est aujourd'hui, tu sais. Bon, nous allons vous écouter ici. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Toi qui as mis tête de moi là, je m'en vais te trouver, je te bloque. Voilà, je te trouve, je te bloque. Partagez la vidéo, invitez vos amis, on va écouter ici madame la députée. Il n'y a seulement que 67 partages. Chut, vous aussi, c'est foutaise ou bien. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, 67 partages. Ah, ses yeux rentrés ou bien. Non. C'est pas gentil, hein. Cheikh Mohamed Ouattara, voilà, je t'ai trouvé avec ta tête de mort. À bloquer tôt. Voilà. Bloqué. Bloqué tôt. Tu es bloqué. Partagez la vidéo, invitez vos amis. 67 partages. Ah, vous ne m'avez pas respecté. Hein? Vous aussi. Nous allons écouter ici madame la ministre. Madame la députée. Hi, c'est prophétie. Hein? Peut-être que vous allez devenir ministre. Qui sait? Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je vais vous montrer ici. Là où la ministre comment on appelle ça? Et qu'est-ce qui se passe? Oui. On lui prend son passeport. Vous dites, madame, il y a une plainte comme vous. Voilà. Attends, madame la ministre. On l'arrête à l'aéroport. Elle ne doit pas voyager. Je dis non. Quand on arrête quelqu'un à l'aéroport. On lui prend son passeport, lui dit, madame, il y a une plainte comme vous. Vous allez chez vous, on vous convoque au tribunal. Que des gens, des personnalités se lèvent pour dénoncer la justice, les pratiques, les mauvaises pratiques de la justice ivoirienne.
En tout cas, je te soutiens, il faut dénoncer. Faut dénoncer. Mettez les cœurs, partagez la vidéo invitée. On va repartir encore. Arrête quelqu'un à l'aéroport. On y pense. J'ai dit, mais tous les jours, on arrête à l'aéroport. Elle ne doit pas voyager. J'ai dit, non. Quand on arrête quelqu'un à l'aéroport, on lui prend son passeport, il dit, madame, il y a une plainte contre vous. Vous allez chez vous, on vous convoque au tribunal. Mais on ne vous prend pas de l'aéroport à la MACA. Moi, j'ai dit non, je dénonce. En tout cas, il faut dénoncer, maman. Si ce plan-là, je te soutiens, il faut dénoncer. C'est quoi cette justice ivoirienne? Il faut dénoncer. Faut pas dénoncer quand ça t'arrange, hein. Faut dénoncer cette justice corrompue qui travaille aux ordres du RHDP en Côte d'Ivoire. Ah oui, là seulement, je t'encourage, maman, faut dénoncer. Parce qu'en temps normal, là, dans un pays de droit, dans un pays où règne la justice, là, quand une personne est convoquée, d'accord, quand une personne, il y a une plainte qui est déposée contre une personne, on apporte une convocation à cette personne-là, et puis on s'en va l'écouter. Voilà comment ça se passe. On s'en va l'écouter. Tant que vous n'êtes pas condamné, vous n'allez pas en prison. Mais on ne te prend pas directement et puis on s'en va te jeter en prison. Non, je suis d'accord avec toi, maman. Mais maman, mais Tangou Traoré là, tu penses que ça s'est passé comment? DJ Volcano là, tu penses que ça s'est passé comment? Nos femmes du GPS là, tu penses que ça s'est passé comment? Zenabayou là, tu penses que ça s'est passé comment? Le drone là, tu penses que ça s'est passé comment? Les frères du président Soro, là, ça s'est passé comment? C'est dans même justice, là, on est là. On est dedans. C'est dans même justice, là, on est dedans. Voilà. Tu vois, maman, en voulant détruire, parce que vous êtes dans votre... Eux, ils connaissent trop la politique. En tout cas, eux, ils vont aller s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Parce que c'est eux qui savent. Quand on parle, ils continuent. Depuis quand les histoires internes du FPI regardent le RHDP? Nous savons que vous êtes toujours dans une communication de haine vis-à-vis du FPI. Vous détestez viralement le FPI. Si ça ne tient qu'à vous, là, FPI va même pas exister dans Côte d'Ivoire. Mais depuis quelque temps, carton noir, voilà, merci, carton noir. Depuis quelque temps, comme par hasard, vous vous êtes mis à défendre certains membres du FPI. Vous êtes mis à défendre certaines personnes du FPI. Comme si vous étiez heureux que le FPI revive en Côte d'Ivoire. Mais vous avez raison, vous êtes des rusés. Vous êtes des malins. Et tant que l'opposition ne va pas comprendre, parce que cette histoire d'Alex Zaté là, ils sont toujours dans leur cheminement, hein. Enfoncer le clou dans la division du FPI. Mais vous ne comprenez pas. Continuez. Quand on parle, il y a certaines personnes qui ont venu te donner des leçons, t'apprendre à communiquer ou t'expliquer l'histoire du président Laurent Gbagbo. Comme si au moment où la maman du président Laurent Gbagbo accouchait Laurent Gbagbo, là, ils étaient assis là et puis c'est dans leurs mains. Ils ont fait peau à peau avec le président. Donc ils maîtrisent la vie et l'histoire du président Laurent Gbagbo. Mais vous êtes des rusés, des malins au RHDP. Mais continuez, vous avez raison. Parce que la politique, là, si vous décidez de déposer les armes et puis faire la politique avec votre intelligence, je salue cela. Je dis bravo. En tout cas, vous êtes en train de réussir. Bravo, je vous applaudis. Parce que vous êtes en train d'enfoncer le clou au FPI. Parce que votre sortie, là, ce n'est pas une sortie hasardeuse, hein. Elle est calculée. Elle a été orchestrée. Même l'arrestation de Alex Zaté a été calculée, orchestrée. Parce que Alex Zaté, là, depuis ils ont déposé la plainte contre elle, là. Alex Zaté est au courant qu'il y a une plainte qui a été déposée contre elle. Alex Zaté même a fait une vidéo ici où elle a lancé un défi à l'avocat de Mme Simone Evie Gbagbo en disant que c'est comme si c'est comme ça. Mais depuis là, pourquoi est-ce que le commissariat, là où la plainte a été déposée, pourquoi est-ce que vous n'avez pas convoqué Alex Zaté pour la faire entendre? Pourquoi?
la faire entendre. Mais ceux qui ont arrêté Alex Zaté là, c'est pas Simone Yves Gbagbo, hein. C'est la justice ivoirienne. La justice ivoirienne où Lovier est président, où toi tu es député, où le RHDP détient tous les ministères. C'est pas Simone Yves Gbagbo, hein. C'est vous. Voilà, c'est le RHDP. Et c'est la justice du RHDP. Parce qu'il fallait créer ce buzz-là pour enfoncer le clou dans la division du FPI. Mais bravo. Je vous applaudis. En tout cas, même quand vous déposez les armes, là, vous êtes fort. Continuez. Continuez dans votre politique. Parce que ceux qui sont en face là, au FPI, là, c'est des gens qui ont décidé de laisser la politique à part. Et puis se lutter un mari. Mais ils ont décidé que politique, là, ils ne font plus. Voilà, ils ont décidé que politique, là, ils ne font plus. Quand on leur dit que ce qui se passe dans la chambre du président Laurent Gbagbo, là, que c'est sa vie privée, vous, militants, vous, cas du FPI, consacrez-vous à la politique. Ils disent non. Voilà, parce que le but est de diviser. Le but est de détruire le FPI. Et puis, ils sont dedans. Mais bravo. En tout cas, comment on appelle ça? Madame Mariam Touré. Vous êtes une femme très intelligente. Voilà. Et le RHDP, en tout cas, celui qui a orchestré tout ça, là, il est intelligent. Parce que oui, tout a été orchestré de main de maître. Marie-Laure Kouamé, sois saluée. Jean Begré, depuis Dabou, on est ensemble, mon frère. Sois saluée. Parce que Alex Zaté, là, elle a fait pratiquement 2 semaines en Côte d'Ivoire, hein, si ce n'est pas 3. Depuis, la plainte a été déposée. Alex Zaté n'a pas été convoqué. Parce que tout a été organisé pour la prendre quand elle va vouloir rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que tout a été organisé pour l'appréhender quand elle va rentrer en Côte d'Ivoire. Et après cela, ils vont rentrer dans une communication de déstabilisation de Simone Yves Gbagbo. Pour enfoncer encore le clou dans la division du FPI. C'est-à-dire le camp Nadi Bamba va se réveiller, le camp Simone Yves Gbagbo va se réveiller, et puis on va dire Simone Yves Gbagbo elle est mauvaise, et puis les autres là vont pas s'asseoir. Ils vont se lever aussi, ils vont vouloir défendre, et ça va enfoncer encore le clou dans la division. Mais vous êtes fort. Mettez les cœurs, partagez ma vidéo. Mettez les cœurs, partagez ma vidéo. Mettez les cœurs, partagez ma vidéo. Mettez assez de cœur. Ma vidéo attaquée apparemment là. Mettez assez de cœur. Ils vont couper ma vidéo. Si vous ne mettez pas les cœurs, que vous ne partagez pas, ma vidéo sera coupée. Partagez la vidéo et puis mettez les cœurs. Ah là, ça ne bouge plus là. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je ne vois pas de cœur. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Depuis le président Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, là, on vous a dit faites la politique. Faites politico. Faites politico. Faites politico. Laissez le monsieur là-haut. Le président Laurent Gbagbo vous a dit, même s'il est couché là, enjambez son corps. Et puis continuez. Et on parle même, les gens ne comprennent pas. Le président Laurent Gbagbo lui-même, il vous prie. Même si je suis couché, c'est-à-dire même s'il a les 2 pieds et les 2 mains liées, enjambez-le, ne le regardez pas. Continuez dans le combat. Vous dites non, hein. Vous ne faites pas combat, hein. Vous allez faire foyer. Continuez dans foyer. La Côte d'Ivoire, là, ne sera jamais libérée. Continuez dans foyer. Parce que eux, là, ils ont un objectif à atteindre. Ils ont un objectif à atteindre. Déstabiliser le FPI. Diviser le FPI en 1000 morceaux. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, tout le monde sait que le FPI, là, militants FPI, ils sont nombreux. On sait qu'ils sont nombreux. Et puis, on connaît leur détermination. On connaît leur force. On connaît leur courage. On sait que c'est des gens, là, quand ils sont déterminés, mobilisés, ils ne dorment pas, ils sont au front. Ils sont au front.
Ils sont rentrés dans leur campagne de déstabilisation du FPI. Et puis, en tout cas, ils sont en train de réussir. Bravo. Faut les Même quand tu n'aimes pas ton adversaire, là, s'il court vite, là, faut dire qu'il court vite. Ou bien, même quand tu n'aimes pas ton adversaire, s'il court vite, là, faut dire qu'il court vite. Aïe. Attendez, hein. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je dis, si tu n'aimes pas ton adversaire là, s'il court vite la femme, que Gbagbo n'aime pas les étrangers, que c'est à cause de Gbagbo, on ne portait pas Boubou en Côte d'Ivoire, à cause de Gbagbo. Maintenant, subitement, comme par pur hasard, ça y est, on va défendre des militants du FPI, ça y est, on va prendre. Par pur hasard. Et vous vous laissez aller. Vous vous laissez aller, messieurs les refondateurs, parce que vous avez toujours été dedans, dans la politique des fesses. Faites la politique. Hein. Faites la politique. Faites la politique. Est-ce que vous pensez que le président Laurent Gbagbo est plus important que ces millions d'Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire? Donc si le président Gbagbo a tel, vous ne pouvez pas porter son combat. Si le président Gbagbo ne peut pas parler, si le président Gbagbo, on ne sait pas par quoi il est lié ou qu'est-ce qui le tient, et puis il est dans ce comportement-là, vous là, sans Gbagbo là, sans Gbagbo là, vous ne pouvez pas faire politique. Sans Gbagbo là, vous ne pouvez pas faire politique. Je comprends pourquoi dans votre groupe là-bas, là, vous aimez les pères et les mères. Ah, c'est son père. Ah, c'est sa mère. Ah, c'est là. Vous prenez jamais votre émancipation, votre indépendance. Vous êtes toujours dans père et mère dans politique. Vous êtes toujours dans les pères et mères dans politique. Vous ne prenez pas votre indépendance. Ah, moi, c'est mon père. Oh. Moi, c'est ma mère. Moi, je suis ce que mon père, il fait. La vie du président Laurent Gbagbo est plus importante que la vie de milliers d'Ivoiriens. Le couple du président Laurent Gbagbo est plus important que la vie de vos frères qui sont encore en prison depuis 10 ans, 20 ans et qui n'attendent qu'une seule chose, la libération de leur pays. Vous vous laissez aller parce que vous êtes des égoïstes, vous pensez qu'à vous. Vous pensez avoir ventre. C'est comme ça quand vous étiez au pouvoir avec le président Laurent Gbagbo là. Vous pensez qu'à vos ventres, à cause de vous là. Même les artistes ont chanté contre le président Gbagbo alors qu'ils adoraient le président Gbagbo. Mais à cause de vous là, les gens ont sali le président Laurent Gbagbo. Et tout ce qui vous intéressait, c'était votre ventre. Et puis vous êtes dedans. Excusez-moi, hein, je vais aller voir la personne qui met tête de moi là. Je vais bloquer la personne. Excusez-moi. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Continuez de partager ma vidéo. Je m'en vais bloquer la personne qui met tête de moi et puis on va avancer. Partagez. Je vais vous dire, vous êtes en train de danser au rythme du RHDP. Continuez de partager ma vidéo. Je m'en vais bloquer la personne qui met tête de moi. Partagez, on a 88 partages, c'est pas suffisant. Partagez. Il y a Anne Aimée Francis Ngoran qui met tête de moi ici. Voilà les deux qui mettent tête de moi. Avec Marie-Lou Diagnonetti. Voilà, à Bloqueto. Va mettre tête de moi ailleurs. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Toi, Anne-Marie et Nanani, là, c'est à ton tour maintenant. Pendant que le RHDP est en train de préparer 2025, nous, on prépare quoi? On prépare foyer du président Laurent Gbagbo. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez. Il n'y a seulement que 88 partages, c'est pas normal. Voilà. Allez à bloquer tout. Bloquer. On a été unanime. On a dit ici qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Qu'on est un chef d'État. On appelle un président à la tête de notre nation. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Le RHDP est en train de nous conduire dans un... Oh, vous êtes fort. Vous êtes fort. Parce que oui, effectivement, c'est le RHDP là qui maîtrise le FPI. Il se joue les gros durs, mais vous les maîtrisez.
Vous les maîtrisez. Voilà, vous les maîtrisez. Vous avez raison. Continuez. Ça là, c'est de bonne guerre. C'est ce qu'on appelle la politique. C'est de bonne guerre. C'est ce qu'on appelle la politique. Et je salue ici l'intervention du prophète, de l'archevêque Guy Vincent. Parce que peut-être lui au moins, là, vous allez l'écouter. Faites la politique. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens ont faim. Ça ne va pas au pays. Vous êtes dans un combat de rivalité, de foi. Conduit comme ça. Le RHDP est en train de vous emmener ici. Emmener ici. Si vous n'avez pas quoi déposer une plainte contre Alex Zaté. Est-ce que ils étaient obligés de bloquer Alex Zaté? Est-ce qu'ils avaient entendu Alex Zaté d'abord avant de la bloquer à l'aéroport? Mais non, non. Depuis longtemps, là, ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé. Elle a bien fait tout ce qu'elle avait à faire. Maintenant qu'elle va rentrer là, c'est maintenant qu'ils vont aller la bloquer à l'aéroport. Mais la plainte a été déposée auprès d'un commissariat, non? Non? Maintenant, quand ils ont fini de déposer et puis ils ont bloqué Henriette là, comme Zaté là, maintenant ça fait maintenant le buzz. Oh, FPI là-bas là-haut, ils enferment les gens eux. Regardez comment ils sont divisés. Oh. Regarde entre eux-mêmes là comment il n'y a pas là-bas. Nous, les gens du RHDP, on va venir sauver Alex Zaté pour leur dire que non, le RHDP. Non, mais non, bravo. 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 C'est comme ça dans ton mur là. Quand il y a fissure là. Pour danser, pour dormir, pour se reposer. Et puis le lézard vient, il se repose. Il dort tranquillou. Ah, ça a été transmis depuis le parquet. Mais pourquoi il n'a pas été convoqué au parquet? Et puis ils ont attendu son départ pour la France. Alors que cette plainte-là, elle a été déposée. Ça faisait un bon moment. Merci là-bas, Roselyne Yao. Regardez, succès que RHDP là a été mis en prison. Est-ce que vous avez vu Mariam Touré? Est-ce que vous avez vu le RHDP venir dénoncer cela? Alors que succès, c'est l'une d'entre elles. Alors que succès là, c'est pour eux. Mettez les cœurs, ma vidéo attaquée, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, ma vidéo est violemment attaquée, mettez les cœurs. Non, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, ma vidéo est violemment attaquée, mettez les cœurs. Vous là, vous allez tromper tout le monde sur la toile, mais vous n'allez jamais me tromper. Ici là, il y a cerveau. Le plan dans lequel le RHDP est là, ça, le piège là va prendre tout le monde, ça ne va jamais me prendre. Vous êtes dans la division du FPI et vous êtes en train de réussir la division du FPI. Mettez les cœurs, protégez ma vidéo, mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour protéger la vidéo. Mettez les cœurs. Des vidéos, on vous appelle au fait politico, laissez la vie privée du président Laurent Gbagbo, parce que si les gens là, ils savent que c'est votre point faible là, c'est là-bas ils vont vous attaquer. Oh. Si les gens là savent que c'est votre point faible là, que c'est ce qui peut emmener la division au FPI là, c'est là-bas ils vont taper. Laissez la vie privée du président Laurent Gbagbo, faites votre politique, laissez la vie privée, ne donnez pas l'occasion aux gens de vous atteindre, de diviser votre famille. Soyons forts, soyons unis pour pouvoir mener le combat de la Côte d'Ivoire. On dit non, 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 on ne laisse pas. On dit on ne laisse pas. On est dans le combat du foyer du président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mettez les cœurs, mettez les cœurs.
Ils font sortir Marianne Touré. Non, moi, je suis pour la réconciliation. On ne doit pas enfermer une personne en prison. On ne doit pas la mettre. Libérez-moi cette fille. Libérez-moi cette fille. Que Simone est allée en prison. Vous voyez, regardez sa communication. Hein. Vous voyez sa communication. Simone a été en prison. Ça ne lui a pas servi de leçon. Simone elle-même là, elle a parlé de viol de femme. Comment la fille, elle est du FPI. Comment on peut la mettre en prison? Comment le FPI? Vous voyez, la communication de la division. La communication de la division. C'est une responsable du RHDP qui vient plaider pour Alex Zaté. Pour fissurer encore, pour semer le doute. Hein? Donc là, effectivement, c'est vrai qu'il y a certains qui sont allés au RHDP. Si Mariam Touré vient défendre Alex Zaté, c'est parce que l'autre là est RHDP. Vous voyez? Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs. Mettez les. Je suis en train de les démasquer. Ils le savent. Mettez les cœurs. Partagez la vidéo pour protéger. Mettez les cœurs. Partagez la vidéo pour protéger. Mettez les cœurs. Non, Simone Gbagbo là, hein? Ah, hein? Pourquoi celle qui met les gens en prison? Alors que Simone Gbagbo elle-même, c'est Simone Gbagbo qui a mis Alex Zaté en prison. Simone Gbagbo a déposé une plainte. Est-ce qu'elle t'a dit faut aller l'attraper, tu vas aller mettre en prison? Est-ce qu'elle t'a dit d'aller l'attraper pour la mettre en prison? Sur la preuve de quoi vous l'avez mise en prison? C'est votre justice qui est en erreur. C'est pas Simone Yves Gbagbo, mettez les cœurs. C'est votre justice qui a tort. C'est pas Simone Yves Gbagbo qui a tort. Parce que c'est la justice ivoirienne qui a appréhendé Alex Zaté à l'aéroport. C'est pas Simone Yves Gbagbo. Si vous n'étiez pas d'accord avec ça là, pourquoi vous ne l'avez pas laissé rentrer? Si vous n'étiez pas d'accord avec ça là, pourquoi vous ne l'avez pas laissé rentrer? Est-ce que c'est Simone Yves Gbagbo qui a emmené son armée à l'aéroport pour aller attraper, comment on appelle ça, Alex Zaté? Fakoli, sois salué depuis ton bord, ta position. Non! Mettez les cœurs, protégez le direct là. Je vais bloquer la personne qui met tête de mort là, rapido presso. Voilà. Non! C'est pas Simone Yves Gbagbo qui a pris Alex Zaté, mettez les cœurs pour la jeter en prison. C'est le RHDP. C'est la justice ivoirienne. Vous aurez pu procéder autrement. Vous aurez pu procéder autrement. Mettez les cœurs. Vous finissez de jeter la fille en prison et maintenant vous venez accuser Simone pour diviser encore le FPI, pour jeter encore de l'huile sur le feu. Hein? Simone Yves Gbagbo, elle a quel pouvoir en Côte d'Ivoire? Elle est députée? Mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Oh, bloquez ça là. Les sorciers, là, ils sont sur mon direct ici. Mettez les cœurs, protégez le direct. Arrêtez de rentrer dans le jeu au FPI là. Vous faites trop le jeu du RHDP. Vous faites trop le jeu du RHDP. Sortez de cette communication-là. La vie privée du président Laurent Gbagbo. Ne parlez plus de ça. Faites la politique. Faites la politique. Au jour d'aujourd'hui, là, regardez la communication de la division qui sont en train de mener au sein de votre parti politique. Regardez comment le FPI est en train d'être divisé. Même les gars qui disaient Gbagbo ou rien. Là, regardez comment les gars sont en train d'être divisés. Parce qu'ils ont vu la faille. Parce qu'ils ont vu le point faible. Là, on y fleur, soit salut. Et puis, ils sont en train de rentrer dedans proprement.
Mais qui leur a donné cette occasion-là? C'est vous, militants du FPI. C'est vous, go. Si Alex Zaté n'était pas venu parler ici de comment on appelle ça, de la vie privée de Simone et Yves Gbagbo, si l'autre ne parlait pas de la vie privée, si l'autre ne parlait pas de Nadi, que l'autre ne parlait pas de Simone et Yves Gbagbo, est-ce qu'on allait dans le discours ça là aujourd'hui? Et Mariam Traoré va venir, hein? Non, pour qu'on la mette en prison. C'est, en tout cas, c'est votre justice là qui l'a mis en prison. C'est votre justice là qui l'a mis en prison. Votre justice à deux balles là. C'est votre justice là qui l'a mis en prison. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce qu'elle était en Côte d'Ivoire là-bas là. Vous aurez pu aller lui donner sa convocation. Et puis elle allait aller répondre avec un avocat. Elle aurait pu aller répondre de cette plainte là avec son avocat. Vous avez attendu de l'appréhender le jour de son départ. Pourquoi? Alors que Côte d'Ivoire, elle a séjourné là-bas pendant des semaines. Elle a séjourné là-bas pendant des semaines. Mais c'est votre habitude. C'est votre habitude. Vous ne respectez rien. Vous ne respectez jamais les normes en matière de justice. Vous prenez les gens comme ça vous sied et puis vous les jetez derrière les barreaux. C'est la manière de fonctionner du RHDP. On vous connaît. C'est pas aujourd'hui vous faites ça, vous n'allez pas arrêter. C'est votre mode de fonctionnement. Vous avez toujours pris les gens, des innocents, sans avocat, ni rien. Vous les jetez derrière les barreaux quand ça vous enchante. C'est aujourd'hui là que ça vous choque. C'est aujourd'hui que vous-même, quelque chose que vous avez fait, vous-même, vous êtes choqué par rapport à ça. Tout ça parce que vous voulez diviser encore le FPI. Tout ça parce que vous êtes dans votre tour de division là. Et puis le FPI, ils ne comprennent pas. Ils vous suivent comme ça, zoin, 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 zoin. Vous êtes en train de leur tirer par le bout du nez. Et eux aussi sont dans votre communication là. Ils vous suivent comme ça. Vous les menez à la baguette et puis vous suivent dedans. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, invitez vos amis. Mariam Touré est choquée de ce qui arrive à Alex Zaté. Mais faut être choqué de ce qui arrive à Métangou Traoré, maman. Faut être choqué de ce qui est arrivé à Carton Noir. Faut être choqué de ce qui arrive au drone qui est en prison depuis des mois. Faut être choqué parce que, comment il s'appelle là, Volcano DJ s'est retrouvé derrière les barreaux. Mais ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas. Mais c'est pour Alex Zaté là qui vous choque. Parce qu'Alex Zaté là, vous avez des intérêts là-bas. L'intérêt de la division du FPI. L'intérêt de la division du FPI, ça vous arrange. Donc, il faut aller communiquer là-bas. Succès même qui est l'une des vôtres, vous l'avez jeté en prison. Et aucune voix ne s'est levée. Personne n'a parlé. Pourtant, Succès aussi, elle est cyberactiviste. Hein? Succès, elle est cyberactiviste. Ou bien, Succès n'est pas cyberactiviste. Et puis, le jour où Succès faisait son direct là, il n'y avait pas derrière la foule dehors. Voilà, même si on a ajouté un peu de piment dedans aussi. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vais aller bloquer les têtes de mort là. Je vais tous vous bloquer. Si tu veux, faut arrêter. Si tu veux pas arrêter, je vais te bloquer. Mon direct là, tu vas plus suivre ça. Non, moi, j'en veux pas à Mariam Touré. Hein? Je n'en veux pas. À Mariam Touré, je n'en veux pas. J'en veux au FPI. Ceux qui se croient les plus rusés de la politique. Ceux qui se croient les plus intelligents en matière de politique. Ceux qui pensent qu'ils ont créé la politique là. C'est à eux que j'en veux. Vous avez décidé de ne plus faire la politique. Mettez-vous de côté. Mettez-vous sur le côté. Et puis laissez ceux qui ont envie de faire la politique, faire la politique. Mettez les cœurs. Il y a plus de têtes de mort. Regardez mon audience en train de baisser. Et vous ne mettez pas les cœurs. Il y a plus de têtes de mort que de cœurs. Il y a plus de têtes de mort que de cœurs. Et ça, je ne comprends pas. Il n'y a pas 100 RHDP sur ma page ici. Donc, mettez les cœurs. Sortez de la politique. Écoutez Monsieur Kodiaki Vincent, écoutez-le, parce que c'est l'un des vôtres. Écoutez-le. Laissez la vie privée du président Laurent Gbagbo. Il y a des choses plus importantes en Côte d'Ivoire. Il y a des combats plus importants en Côte d'Ivoire. Vos généraux et vos commandants sont encore en prison. Mais ce qui vous intéresse là, c'est la vie privée du président Laurent Gbagbo. C'est la vie privée du président Laurent Gbagbo. C'est ça qui vous intéresse. C'est ce qui vous intéresse. Alors que vous avez beaucoup de combats à mener en Côte d'Ivoire. Hein? Votre mentor est sorti. Il dit non que en 2010, là, c'est lui qui a été président. Que c'est ce qui est là. Travaillez autour de ça.
l'unité de la nation. Elle sort. Oui, Alet Zaté. Alet Zaté. Elle connaît Alet Zaté où? Elle connaît Alet Zaté où? C'est la seule cyberactiviste qui est allée en prison? C'est la seule qui est allée en prison. Succès encore en prison là-bas, hein? Mais Tambou Traoré est là-bas. Mais elle ne parle pas de ceux-là. Elle ne parle pas d'eux. Ce qui l'intéresse là, c'est pour Alet Zaté là qui l'intéresse. Ma maman, mon amour de mère, celle-même qui me donne le sein là. Hein? Ma maman, hello. Love you, ma mère. On est ensemble. C'est jusqu'à la gare. Les autres là n'intéressent pas Mariam Touré. Hein? Mais celle qui intéresse particulièrement Mariam Touré là, c'est Alet Zaté. Mais pourquoi vous ne vous posez pas de questions? Vous ne vous posez pas de questions? Depuis quand est-ce que ils ont respecté le... Depuis quand le RHDP respecte la liberté d'expression en Côte d'Ivoire? Depuis quand il y a liberté d'expression en Côte d'Ivoire? Depuis quand? Moi-même qui n'insulte pas l'Ovier là, je vais prendre route, je vais partir en Côte d'Ivoire tout de suite. Ils vont m'arrêter, ils vont me jeter derrière les barreaux. Vous ne vous posez pas la question pourquoi c'est pour Alet Zaté là qui intéresse dans le RHDP? Pourquoi? Vous ne vous êtes pas posé la question? Pourquoi c'est pour Alet Zaté là qui intéresse le RHDP? Et vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Ne vous posez pas les bonnes questions. Hein. Restez là. Restez là. Ils vont manger le FPI. Ils vont manger le FPI. Parce que vous avez décidé de porter le combat du, comment on appelle ça, des fesses du président Laurent Gbagbo. Ils vont manger le FPI. Il ne va plus rien rester de vous. On est de toute manière l'ancienne génération là. C'est bon, on est fatigué. Asseyez-vous. Les papis là. Asseyez-vous. La nouvelle génération arrive. Voilà. Asseyez-vous. La nouvelle génération arrive. C'est de ça qu'il s'agit. Le président Soro arrive. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous êtes fatigué de faire politique, non? Laissez ceux qui sont résistants, qui ont décidé de faire la politique, là, vont venir prendre la place. Sinon, vos histoires de qui est femme, qui est nanani, qui est nanana, qui est nanana. Vous-même, là, ce qui se passe à votre parti, là, vous savez. Il y a certains qui ont dit, non, que ouais, comment on appelle ça? Madame Nadi, elle avec le RHDP, nanana. Donc, si vous savez ça, là, donc, si vous savez ça, là, usez de stratégie et d'intelligence et puis menez le bon combat. Vous-même, vous savez qu'il y a quelqu'un qui, à votre sein qui veut détruire le FPI. Et puis vous donnez l'occasion à cette personne-là de détruire le FPI. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? À votre sein-là, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est là pour faire les affaires du RHDP. Mais c'est de bonne guerre ce que le RHDP fait. C'est de bonne guerre. C'est ça là qu'on appelle la vraie politique. Ce n'est pas les armes. Hein? Ce n'est pas ça là. Ce n'est pas les armes. C'est ça là qu'on appelle la vraie politique. Voilà, c'est ça. C'est de bonne guerre ce qu'ils font. S'ils ont infiltré le FPI là, c'est de bonne guerre. Vous aussi là, infiltrez le RHDP. C'est de bonne guerre. C'est ça la politique. Mais si vous savez qu'à votre sein là, il y a infiltration là, votre président vous a dit, si lui il est couché là, enjambez-le et puis continuez le combat. Au lieu de continuer le combat, vous êtes là, vous l'attendez. Vous devez régler ces problèmes de couple. Corolla Cosse, mon père, love you papa. Je t'appelle tout de suite après. Vous devez régler vos problèmes de couple. Parce que vous avez comme vision, vous suivez la vision de ceux qui veulent diviser le FPI. Et vous faites leur jeu. Et vous êtes dans leur jeu. Et vous dansez selon leur musique. Dansez. Voilà. Dansez. Hey, Côte d'Ivoire unie. Il y a quoi? Mais est-ce que je t'ai dit que je vais être Miss Côte d'Ivoire? Tu as vu, non? Tu as vu comment je vous ai mis à nu? Vous allez prendre les autres dans les émotions. Moi, vous n'allez jamais m'avoir. Vous êtes en train de préparer 2025 pendant que des gens se chamaillent sur foyer. Mais vous êtes rusé. C'est tout à votre honneur. Mais comme tu m'as insulté, je ne te laisse pas. Je vais te bloquer. Sinon, j'allais te laisser. Vous êtes en train de préparer 2025. C'est tout à votre honneur. Vous êtes en train de distraire l'opposition pendant que vous êtes en train de préparer 2025. Vous avez raison. C'est de bonne guerre. C'est ça la politique. Et si nous, on a décidé de se distraire, on va rester dans une distraction. C'est dans une distraction, là, juste quand les gens sont venus prendre notre pays, mais on est dans une distraction. Voilà. C'est dans une distraction, là. On est resté jusqu'à quand ils ont pris Côte d'Ivoire. On est toujours dans une distraction.
on va se distraire parce qu'on aime ça. On n'a qu'à laisser les autres qui vont diriger, puis nous, on va se distraire. Voilà, nous, on est dans distraction, on aime ça. Où il y a buzz là, où on parle de femmes là, on est djaouli là-bas. Où on doit parler de foyer là, on est djaouli là-bas. Mais politique là-même, ça ne nous intéresse pas, hein. Ça ne nous intéresse pas. Pourquoi le monsieur là est sorti de Côte d'Ivoire après l'arrivée de Gbagbo? On ne sait pas où il est resté pendant des semaines avant de rentrer en Côte d'Ivoire là. Ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. C'est foyer de Gbagbo là que vous avez chargé comme ça. Maintenant, foyer est passé là. Maintenant, c'est Alex Zaté. Après Alex Zaté là, il va avoir un autre buzz. Après Alex Zaté là, il va avoir un autre buzz. Et puis on est dedans. On est dans buzz. Et pendant ce temps, ils sont en train de placer leurs pions. Ils sont en train de placer leurs pions. L'Ovier, le RHDP est en train de nous conduire comme ça à sa guise. Ils nous mènent dans la communication à leur guise. Et puis nous, on les suit comme des, c'est nous qui sommes devenus des moutons. Maintenant, on les suit pion, 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 pion. Et puis, eux, ils maîtrisent le terrain. Voilà, c'est comme ça. Bravo, on a tout gagné. Je vais vous laisser, j'ai assez parlé. Moi, ma salive aussi est fatiguée. Mais en tout cas, ça, c'est un conseil. Parce que je veux l'unité. L'unité de l'opposition. Si chaque fois je tape sur le FPI, là, c'est parce que je sais que unis, on sera fort. On a besoin de vous pour libérer la Côte d'Ivoire. Sinon, nous, au GPS, là, on a compris ça il y a longtemps. Hein. Nous, on sait ce qui se prépare. Nous, on sait ce qui se prépare et puis on sait comment on travaille aussi. Nous, on sait ce qui se prépare et puis on sait comment on travaille. Mais vous, réveillez-vous. Réveillez-vous. Laissez affaire de foyer du président Laurent Gbagbo. Laissez son foyer. S'il dit c'est Nadia, oh, c'est Nadia. S'il dit c'est Maman Simone, oh, c'est Maman Simone. Il y a quoi? Laissez son foyer, laissez-le. Même si le président Laurent Gbagbo est fatigué, qu'il ne veut pas faire politique là. Nous, on n'a qu'à continuer. Lui-même, il a dit que si ça ne va pas, on n'a qu'à l'enjamber. Toi, tu dis non, tu ne veux pas l'enjamber. Tu es accroché à son pied comme ça. Il ne vieillit pas quoi? Il n'est pas fatigué. Il ne vieillit pas, il n'est pas fatigué. Laissez le monsieur là. Laissez le monsieur là. Il fera les choses comme il veut et puis en son temps. De la manière il sent les choses, c'est comme ça, il va faire. Le monsieur même vous a dit, si vous êtes fatigué, on n'a qu'à continuer. Continuons. Continuons. Mais vous l'attendez. Ah non, non, non. Ah, non, non, non. Il allait faire son deuil. Bon, il dit, il a fait son deuil. Bon, le président Laurent Gbagbo, il dit, ça en fait deuil. Dans deuil, il s'est retrouvé à Kinshasa, non? Dans deuil, il s'est retrouvé à Kinshasa. Il dit qu'il s'en fait deuil. On n'a qu'à le laisser, il va faire deuil. Dans deuil, il s'est retrouvé à Kinshasa, non? Je ne sais pas si c'est à Kinshasa ou au Congo, je ne sais pas où il s'est retrouvé là. Hein? Il n'a pas dit qu'il s'en fait deuil. Tu peux aller faire deuil et puis aller fêter comme ça. Hein? Tu peux aller faire deuil et puis aller fêter comme ça. Fête, mariage. Vous aussi. Avançons. Avançons. Le monsieur a fait un message, il s'en fait fête dans, et il s'en fait son deuil. Dans son deuil, là, il a pris avion, il allait de l'autre côté là-bas. Maman Yasmine, si, sois saluée. Oh, toi, va aboyer ailleurs, mon frère. Hein? Il est sans faire deuil. Mais vous, vous avez vu dans le deuil, là, le président, il s'est retrouvé de l'autre côté. Où il s'est retrouvé là, il fait deuil là-bas aussi. Hein? Où il s'est retrouvé là, c'est deuil aussi, il fait. Avançons. Il va nous prendre en cours. Au moment où il va se sentir prêt là, lui-même là, il va commencer. Mais vous voulez forcer que ça n'a qu'à être lui. Forcer, ça n'a qu'à être lui. Des enfants qui ne veulent pas grandir. Des enfants qui ne veulent pas prendre l'indépendance. Des enfants qui ne veulent pas être émancipés. Il y a quoi? Vous finissez même par fatiguer le monsieur même. Le président Gbagbo même là, il est fatigué. Il est fatigué. Avançons. C'est le père. Il sera derrière pour donner conseil. Quand le moment viendra, s'il doit parler là, il va parler. Mais vous là, forcément, ça n'a qu'à être lui, ça n'a qu'à être lui. Et puis maintenant, on l'utilise maintenant pour vous diviser. On l'utilise pour vous frapper. On l'utilise pour semer le why à vos seins. Et vous êtes là, vous êtes content. Bon. Je vais vous laisser. En ce qui concerne, comment on appelle ça, l'indignation subite de Madame Mariam Traoré. Madame Traoré, ta justice a toujours fonctionné comme ça.
Voilà. Ta justice a toujours fonctionné comme ça. Ce n'est pas nouveau. Et puis tu es dans le Côte d'Ivoire, tu sais comment ça se passe. Ce n'est pas à nous, tu vas venir vendre la poudre de perle pimpin. D'après, comment il s'appelle là d'après le boss. Ce n'est pas à nous, tu vas venir vendre ta poudre de perle pimpin. Depuis tu es dans le Côte d'Ivoire, ta justice, ça fonctionne comme ça. Voilà. Ce n'est pas nouveau, hein. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas aujourd'hui on assiste à ça. Et tu le sais. Et tu le sais. Mais aujourd'hui, tu es digné. Tous les prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire, il faut te battre pour qu'ils sortent. Il faut te battre pour qu'ils sortent, madame la ministre. Hey, madame la députée, si tu veux vraiment, vraiment, comment on appelle ça, la cohésion et la paix, tu étais assise en Côte d'Ivoire et puis ils ont condamné le président Soro Guillaume à perpétuité. Sur la base de on dit, sur la base on a pensé que, sur la base de un audio, et puis ils l'ont condamné à perpétuité. Et c'est pour Alex Zaté là, tu vas t'indigner. Alex Zaté même, tu la connais. Elle fait direct même, elle a combien de vues, et puis toi tu la connais. Alex Zaté a combien de vues, elle fait direct, et puis toi tu la connais. Hein? Arrêtez pour vous là. Continuez, vous avez raison. Vous êtes dans votre combat de diviser le FPI. Voilà. Vous êtes dans votre combat de diviser le FPI. Vous êtes en train de réussir. Continuez. Voilà. Si eux-mêmes ils ne comprennent pas le combat dans lequel vous êtes et puis ils veulent se laisser diviser, ils n'ont qu'à continuer. Sur ce, bon après-midi à tous en ensemble. Continuez de partager la vidéo. Mettez les cœurs. La vidéo, elle a été violemment attaquée, mais j'ai pu la finir et je dis merci. Je dis merci au bon Dieu. Voilà. Donc, continuez de partager la vidéo parce que les partages, là, c'est pas ça. Hein. Les partages, aujourd'hui, j'ai vu, là, franchement, je suis pas contente. La lionne n'est pas contente. Hein. Il n'y avait pas eu beaucoup de partages. Vous avez vu, vous m'avez regardé jusqu'à... J'ai parlé jusqu'à... Mais il n'y a pas partage derrière. Il faut partager. Quand vous venez comme ça, partager la vidéo. Inviter, informer nos frères aussi pour qu'ils se ressaisissent et qu'ils comprennent les choses. On a besoin d'avancer. Le pays a besoin d'avancer. Depuis le présent, comme on a, Gbagbo est sorti, on sait que des histoires, que des histoires, que des histoires inutiles qui ne nous font pas avancer, qui ne nous font pas reculer. Mais on est dedans. Mais on est dedans. Hein? Quand il y a des choses graves, vous ne dénoncez pas. Voilà, le président Soro Guillaume a été condamné à perpétuité. Toute la Côte d'Ivoire doit s'indigner. Que tu sois GOR, FPI, je ne sais pas, tu dois t'indigner. Mariam Touré, il faut t'indigner. Voilà, faut t'indigner. Ça, là, on ne parle pas de ça. On est dans buzz. Allez, bon après-midi à tous. Les gens du RHDP, là, ce n'est pas parce que j'ai mis vos projets dehors que vous allez m'insulter. Buvez de l'eau glacée, ça va vous passer. Moi, ici, là, sur ma page, là, je n'insulte pas. Oh. Donc, vous n'allez pas venir me faire insulter. Allez boire de l'eau glacée. Maintenant, si vous êtes trop fâché, là, prenez un bois, mettez une corde, et puis vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, si vous êtes trop fâché, là, si vous ne voulez pas boire de l'eau glacée, ou bien si de l'eau glacée ne suffit pas, là, prenez bois. Vous prenez un arbre là, vous attachez une corde et puis après vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'accord? Sur ce, bon après-midi à tous. Allez, ciao.